Ça fonctionne, test, run, two, ça marche? Oui, ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ils sont-ils beaux? Oui. Ah, merci. On est venu ici pour célébrer un événement bien spécial. C'est parce qu'on s'aime beaucoup qu'on est ici. Si on s'est ici, on sera pas là. C'est parce que c'est l'amour qui nous rassemble. Et là, je voudrais vous faire prendre conscience que vous êtes des personnes bien chanceuses. Parce que je pourrais dire que vous êtes des choisis, des préférés. Jonathan puis Marie-Ève ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis. Puis quand on a un projet de mariage, on lance des invitations, on dit c'est qui qu'on va inviter. Et là, on fait une liste. Là, on en parle aux deux belles-mères, comme de raison. Ben, t'es pas pour inviter elle. Lui, c'est correct. Et puis là, c'est tout un paquet d'affaires. Mais à un moment donné, on fait des choix. Bon, on ne peut pas inviter tout le monde qu'on connaît, c'est clair. Alors, on fait un choix. On dit, mais voici la liste de nos invités. Et vous êtes, aujourd'hui, pour Jonathan et Marie-Ève, la liste des invités choisis. Vous êtes des préférés. Donc, vous allez vous conduire comme des choisis. Comme des préférés. Ça veut dire que vous allez oublier tout ce qui vous intrigue. Parce que là, je sais que dans votre tête, là, c'est comme un hamster dans sa cage. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il va-tu être long? Comment est-ce qu'il va faire ça? Comment est-ce qu'ils vont faire? Mais là, je ne sais pas que ça fait là, cette affaire-là. Ça marche tout le temps, vous n'écoutez même pas. Je sais. Alors, je vais vous aider. Vous allez fermer vos cellulaires. Ça, c'est grave. Hey, là, toi, là, ferme ton cellulaire. C'est pas que la bébite, ça. Il faut pas rien manquer. Hein. Ils rappelleront, c'est tout. Comment ça, là, en plein, tu répondras pas. Je t'ai occupé. C'est tout. Arrête. Là, on prend ce cours, on vit notre moment présent avec Jonathan et Marie-Ève. C'est leur mariage et vous êtes des invités choisis. Et ça, ça veut dire que dans votre cœur, vous allez les accompagner dans leur échange de consentement, tantôt. J'aimerais quand même vous faire un petit lien parce que je vous disais que c'est l'amour. Ah, je l'ai. C'est-tu beau la technologie? Heureusement, vous avez fermé vos cellulaires. Alors, je vais inviter les garçons d'honneur et les filles d'honneur. Les garçons d'honneur, c'est pour prendre place. Pliez pas sur mon fil, par exemple. OK? Alors, soyez bien attentifs. Jonathan et Marie-Ève, en présence de ces personnes que vous avez choisies, que vous avez invitées et qui ont répondu à votre invitation, je vous invite maintenant à échanger officiellement vos consentements de mariage.
Jonathan, est-ce que tu acceptes de prendre Marie-Ève ici présente comme épouse pour l'aimer fidèlement au jour de bonheur comme au jour difficile pour le reste de ta vie? Je le veux. Marie-Ève, est-ce que tu acceptes de prendre Jonathan ici présent comme époux pour l'aimer fidèlement au jour de bonheur comme au jour difficile pour le reste de ta vie? Oui, je le veux. Bon, on y est fait, on peut continuer, on dit oui. Sois toujours présent, Seigneur, à Jonathan et Marie-Ève, et puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur amour, toi vivant avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Jonathan, mets au doigt de ton épouse cet anneau en signe de votre mariage. Marie-Ève, je te donne cette alliance. Marie-Ève, je te donne cette alliance. Signe de notre amour. Signe de notre amour. Et de notre fidélité. Et de notre fidélité. Marie-Ève, mets au doigt de ton époux cet anneau en signe de votre mariage. Jonathan, je te donne cette alliance. Jonathan, je te donne cette alliance. Signe de notre amour. Signe de notre amour. Et de notre fidélité. Et de notre fidélité. Cet engagement que vous venez exprimer en parole et en geste, nous en sommes tous témoins aujourd'hui avec vous. C'est pourquoi il me fait plaisir de reconnaître et de bénir votre mariage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce que Dieu a uni, qu'on ne le sépare pas. Et là, ça c'est. Voilà, maintenant, c'est le temps du baiser des mariés. Mais ils ne peuvent pas le faire sans que je leur dise pas OK. C'est la seule fois que je le contrôle. Après ça, alors les photographes, je prends la photo, je ne gêne pas, parce qu'on ne recommencera pas. Hein. C'est pas là, mais en tout cas, je vais juste vous dire ça. OK? Vous m'en êtes prêts, là? Là, laissez pas le temps de débarquer de là, parce que moi, je ne veux pas faire partie de la photo. Là. Et quand vous me direz que c'est beau, là, moi, je donne le cue. Puis... C'est beau. On va essayer de m'en aller par l'autre. Je vais maintenant t'entendre. C'est beau? Un beau bec. Je te reconnais. Bon, c'est pas fini, là.
Il y en a qui vont dire, bien, on va en profiter, on va les faire réchauffer les voitures. Je ne sais pas, on n'a pas quelle raison de sortir d'ici. Mais attendez, là, je vous ai demandé tantôt d'être présents à eux autres. Alors, les garçons d'honneur, ils vont s'organiser pour approcher la table qu'on a éloignée tantôt. Hein? Tu vas t'organiser, là? Le message est donné. Dans ce contrat, c'est bien, ça va être en business, ça. C'est beau. C'est très bien comme ça. Alors, tu pourras peut-être prendre une chaise et la porter. Non, beau pas haut, là. C'est vas-y. Non, rien, ça suffit. C'est que je vous ai à avoir une pour qu'on en avoir deux. Ça. Bon, alors on va procéder à la signature. J'invite Jonathan Mariève ainsi que leurs deux témoins à s'avancer ici. En attendant, les autres, sortez pour. Thank you.
Déterminer aujourd'hui avec ce signe de la reine. Par les pouvoirs qui me sont conférés par les autorités compétentes, je déclare officiellement Jonathan Woods et Marie-Ève Edmond, je sais pas, comme ça, Marie, oui. Officiellement mari et femme.